Alors quand les gens là, ils étaient, ce qui faisait que les gens là puissent avoir faim, ce qui faisait que les gens là ne puissent pas avoir quelque chose à manger, c'était les ténèbres. Mais la lumière était là. Les grands jours s'étaient déjà levés. C'était Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour te nourrir. Il est venu donner son corps pour que nous puissions manger et ne jamais avoir faim. Oh, il est venu donner son sang pour que nous puissions boire et pour ne pas avoir la soif. C'est ça. C'est le Jésus-Christ que je te présente. Jésus-Christ a fait le miracle. Il est en train de faire le miracle maintenant. Il veut faire un miracle pour toi. Je suis en train de te dire que Jésus-Christ veut faire un miracle pour toi. Reçois ton miracle dans ton cœur. Le miracle de Jésus-Christ commence dans ton cœur. Le miracle de Jésus-Christ dans ta vie commence dans ton cœur. Tu reçois cette parole de la foi dans ton cœur et cela va exploser. Cela va exploser. Quand tu respires l'air, quand tu respires, l'air que tu reçois là entre directement vers tes poumons et cela passe dans ton cœur. L'air passe dans le cœur. C'est cet air qui entre et dans le cœur, ça devient ton son et cela circule dans tout ton corps. Ça va dans tes membres, ça va dans ton cerveau. C'est ça même la force de la parole de Dieu. La parole est esprit. La parole est spirituelle. C'est comme un esprit. Quand tu es né nouveau, tu es né de l'esprit. Maintenant, tu peux comprendre les choses spirituelles. C'est un esprit qui est en train dans cette parole est spirituelle. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que la parole, elle est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Dans cet esprit, quand tu prends cette parole spirituelle, elle devient vie. Elle entre en toi et se transforme dans ton sang et ton sang circule dans ton corps. Vie. Tu as la vie. Alors, c'est une vie en abondance. C'est cette abondance que Jésus-Christ a produit en multipliant le pain et le poisson. Et qu'est-ce que tu as? Jésus-Christ va multiplier. Jésus-Christ va multiplier. Alors, je prie avec toi, mon frère. Je prie avec toi, ma soeur, pour la manifestation de cette multiplication maintenant. Alors, on va prier ensemble. Seigneur,